Merci à Thierry. Madame la Première Dame de la République, Monsieur le Premier ministre, le chef du Conseil supérieur de la police nationale, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant de la MINUSUS en Haïti, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations policières partenaires de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis d'État, Monsieur le commandant en chef AI et les membres de l'état-major des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la Police nationale d'Haïti, policiers, policières, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Analyser les problèmes de sécurité et savoir se mettre à l'écoute de la population pour comprendre sa peur et sa crainte en termes de sécurité, c'est se donner les moyens pour la rassurer et l'aider positivement. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous, policières et policiers, à l'occasion du 23e anniversaire de la Police nationale d'Haïti. C'est toujours un moment fort dans la vie du peuple de fêter la pérennité d'une institution d'État qui se consacre à la protection des vies et des biens. En 276 mois d'existence, la police s'est mise en phase avec la société. Elle a accumulé beaucoup d'expérience. Elle a eu le temps de connaître le pays, a une maîtrise dans le montage des dossiers pénaux, de s'organiser et de répondre aux besoins de sécurité, de sûreté et de tranquillité exprimés par la population dans des circonstances difficiles. Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à observer une minute de recueillement à la mémoire des vaillants policiers et policières qui ont fait l'ultime sacrifice alors qu'ils protégeaient les vies et les biens de leurs concitoyens. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, en un temps record, on le voit bien, notre police se fait une place dans la région. Ainsi, fêter l'anniversaire de la Police nationale d'Haïti, c'est fêter sa culture institutionnelle, c'est fêter sa pérennisation, son savoir-faire et sa capacité à agir pour les conditions de sécurité de la population puissent être améliorées. Au cours de ses 23 années d'existence, la police nationale a grandi en effectif et a acquis des compétences dans des domaines se rapportant au métier de la sécurité collective, pour qu'elle puisse répondre efficacement aux demandes multiples de la population en matière de sécurité. La PNH doit continuer à se renforcer par une meilleure maîtrise des paramètres et des enjeux de sécurité. Aujourd'hui, la police nationale a des défis de sécurité à relever. Nous entendons tous les cris des habitants de certains quartiers de la capitale qui expriment leurs inquiétudes face à la recrudescence des actes de banditisme. Les batailles entre les gangs rivaux, troubles
à maintes reprises la circulation et les activités économiques et sociales au bicentenaire et à Matisse. Policiers et policières, entre l'insécurité ressentie et l'insécurité vécue, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Nos concitoyens expriment justement leur peur et leur crainte d'être victimes de la criminalité. L'insécurité a pris une place importante ces dernières semaines dans la vie quotidienne de la population, surtout ceux qui empruntent la route des carrefours. La population exprime sa peur de se faire attaquer par des bandits qui prennent en otage certains quartiers populaires. Dans la République, il ne peut et ne doit y avoir de zone de non-droit. J'attends de la police des actions intensives contre la violence urbaine, les trafics, la criminalité organisée, le grand banditisme, le cambriolage, le vol à main armée suivi de meurtre. J'attends de la PNH des actions intensives contre tous ces faits déstabilisateurs de notre pacte social. J'appelle la PNH à resserrer les rangs et à redoubler d'efforts pour traquer les bandits et les criminels qui sèment le deuil et la terreur dans nos quartiers d'où ils viennent et partout où ils vont. La PNH doit avoir la persévérance et l'obstination dans la recherche des criminels et des délinquants pour les mettre hors d'état de nuire. La société a besoin de la sécurité pour mieux fonctionner, comme le poumon a besoin de l'air pour respirer. Chères policières, chers policiers, vous exercez un métier républicain qui exige beaucoup de discipline. En tant que policier, la nation attend beaucoup de vous parce que vous exercez un métier de souveraineté nationale. La sécurité est fondamentale pour nos concitoyens. Aujourd'hui, la population exige la sécurité. Vous êtes donc appelés à exercer la fonction de maintien d'ordre, de répression des infractions de sécurité publique. Je vous demande d'être présent pour répondre aux besoins de protection des citoyens, surtout les plus fragiles, les plus vulnérables, et ce, dans le respect des lois de la République. Vous avez la responsabilité de protéger les citoyens, faire respecter le code de la route, accueillir le public, écouter les femmes et les enfants. Ces femmes et enfants qui sont victimes de sévices de toutes sortes. Lutter contre les trafics et les criminels. Rechercher les bandits et les délinquants. Exécuter les ordres de la justice. En tant que policier, vous devez être déployé sur le territoire pour réaliser votre mission de service public. Être policier, c'est faire respecter la loi. Être policier, c'est travailler avec ses collègues pour faire la lumière sur les crimes et délits. Être policier, c'est faire preuve d'une grande responsabilité et du sérieux parce qu'on porte les accoutrements qui symbolisent l'autorité. Être policier, c'est affronter le danger pour sauver des vies et protéger des biens. C'est cette vocation noble et républicaine que vous avez choisie. Et la nation tout entière est reconnaissante de vos sacrifices. Mesdames, messieurs, les bassins de délinquance et de la criminalité évoluent rapidement parce que les bandits et les criminels voyagent d'un endroit à l'autre pour commettre leurs forfaits. Cette migration des professionnels du crime exige une redéfinition des interventions de l'institution policière dans un contexte de changement profond des stratégies et des tactiques des délinquants et des criminels. Il faut mieux analyser le mode opératoire et repenser la géographie de la délinquance et de la criminalité. Être présent sur le terrain et être en contact direct avec la population sont les meilleurs moyens pour la police d'identifier les criminels et de maîtriser les réseaux mafieux.
ce 23e anniversaire nous indique que la police nationale est ancrée dans la culture institutionnelle du pays. Les policiers passionnés par leur métier de servir et de protéger doivent être soutenus par l'État. Car être policier, ce n'est pas un métier facile. C'est plus qu'un emploi, c'est une manière d'être au service de la loi et de la République et des nations. Mesdames et messieurs les gardiens de l'ordre, les informations dont vous avez besoin pour faire votre travail sont dans la population parce que les délinquants, en contravention avec les lois de la République, sont dans les quartiers. Vous devez améliorer quotidiennement vos relations avec la population. La relation police-population est nécessaire au maintien de bon climat de sécurité. Je vous encourage à répliquer des activités comme cette rencontre de football dimanche soir entre la police d'Haïti et la police dominicaine. Vous avez eu le déplacement en masse de la population. Le stade était rempli et il y avait autant de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade. Ce sont des activités à encourager et ce sont des activités à faciliter aussi au niveau de l'administration publique parce que je sais que les ressources de l'État sont maigres. Mais vous avez la chance d'avoir à la tête du CSPN le Premier ministre du Ville. L'État a pour obligation de garantir la sécurité à l'intérieur de ses frontières. Et il confie cette mission à la PNH. Donc, vous êtes garant de l'état de droit et vous représentez l'autorité de l'État dans l'exercice de votre métier. Votre travail est nécessaire à la stabilité et à la paix publique. Vous exercez un métier extrêmement difficile, mais nécessaire à la sécurité de vos concitoyens. Mis à part quelques-uns qui sont sanctionnés par l'inspection générale de la PNH, vous vous acquittez de vos responsabilités avec expérience requise, volonté et droiture dans le respect de la loi de la République, parfois au prix de vos vies. La nation est reconnaissante du travail de tous les policiers qui affrontent les dangers pour protéger la vie des citoyens. Gardienne de la loi et sentinelle de la République, les forces de l'ordre doivent être protégées et respectées dans l'exercice de leur métier. Mais qu'on ait police là à faire un pile d'efforts pour mettre main en pacte à ça, tout à tout faire, pour faire mauvais sac dans le pays. Mais quoi non, mais comptez sur. Pour me renforcer la police là, pendant ma respecte promesse qui te fait nous, la campagne. Demandez déjà la police là pour commencer à recruter une promotion qui a bien jeune femme et jeune garçon pour toutes 772 sections communales. Faut que la police pour bail, mon dans section communale de sécurité. Il y a plein en pile dans les actes d'insécurité qui a subi. Parce que Kazek yo a besoin de double rôle. Il a besoin de rôle d'administrateur et d'agent de sécurité. Nous comptons entendre que 31e promotion, on l'a, police là, qui a entré dans l'académie police là, en septembre, année ça, pour le bail sécurité dans la section communale. C'est un gros mouvement. Moun kap vive dans la section communale, yo, fait tant de voyous. En pile dans les victimes de Zach insécurité. Il y a là-dedans qui victimes de Zach, bandit qui volait bête. Et nous comptons ça, on bête, on cabrit, on cheval, on mourit, on mouton, représenté pour un paysan. Tout petit peuple a de rejoindre une sécurité dans tout pays. L'État, derrière la police, là, n'est allé. Parce que
Notre travail l'a fait pour la sécurité à tout petit pays. Son travail que la police a fait pour nous tous, sans distinction. Mission sécurité police là a rempli. Mandez pour chaque policier qu'on ait une responsabilité dans l'institution qui a travaillé. Vous avez une mission qui a rempli pour le pays. Parce que c'est l'État qui a une mission. Ça. Faut nous faire chaque plus effort pour satisfaire les besoins de sécurité de la population. Mais qu'on est, gouvernement, qu'on est que les policiers ont pile patience. Nous connaissons le métier de police là difficile en pile. Il y a un commissariat qui manquait matériel. L'État a continué à faire tout ça qui est possible pour bailler les policiers là moyen pour les faire travailler. Nous connaissons le problème des véhicules qui viennent dans la police. Nous travaillons pour la police nationale au moins capable de joindre 200 véhicules. Nous voulons parler de véhicules pour patrouiller à camion qui ont besoin pour faire travail. Ce n'est pas facile. Donc on ne reçoit sur les petits. Mais nous faisons des efforts pour ça. Pour la police qui a fait travail, les gens ont demandé, il faut qu'il y ait des outils pour ça. C'est pour ça que l'État nous dit à travailler pour que la police nationale nous soit capable de jouer des outils pour le café travail. Les policiers ont tout besoin que le gouvernement travaille pour le satisfaire. Le problème salaire qui peut payer sous grade policier, grade que les policiers prennent déjà. Les policiers qui prennent garde depuis 4 ans, 5 ans, et pourtant ils ont touché même comme ancien grade côté outillé. Le problème, ça, nous avons pour nous résoudre. Travail qui est nécessaire pour l'hôpital policier a commencé à fonctionner avant. Nous connaissons, ce n'est pas facile. Mais nous voulons que la police là gagne un bon genre l'hôpital, un hôpital qui semble à la police. Mais je pense spécial pour les familles qui en deuil parce qu'elles ont fait couper sur petit. Mario bien madame yo qui t'a servi pays yo dans la police là et me te ben bien bas devant mais moi même ça on m'a profité on tout dit premier ministre qui là pas bien travail qui fait pour que famille policier ça. Je voulais parler de famille immédiate. Madame, Marie, petite, yo. Bien, y est, on peut faire pour vous. Parce que ce n'est pas possible. Un policier tombé, un mois après, il a abandonné la famille. Ça, bien content, présence, président, commission, sécurité, justice, sénat qui l'a. Ça, c'est un gros dossier. Pour que vous nous regardiez avec Palma haïtien, l'administration publique là pour comment que ça est entré dans le cadre loi sous affaires sécurité sociale pays. Parce que famille policière n'est pas capable de la peine. La peine que vous perdez, le monde qui cher à vous, la peine que l'éducation petite policier ça les suspend automatiquement et tombe. Et si n'a parlé de lutte contre délinquance, c'est depuis non quand pas nous pour commencer à travailler sur ça. Un petit un policier qui tombe qui pas gagne encadrement et l'école lui payer jusqu'à ce qu'elle fait université son monde qui n'a nourri pour le vivre dans le délinquant. Je dis, pendant que nous célébrons le 23e anniversaire de la police, nous avons tout à ici. Nous avons profité des policiers
j'aime te promettre encore dans la campagne électorale. Les métiers de la patrie, policiers, professeurs à l'école, monde qui personnel intermédiaire dans le corps médical. Mais te dis, faut que les gens qui ne sont pas du tout dans la première résidence, faut l'État bon accompagnement li fait la construction logement qui t'a permettre moun sa acheter des logements à bon marché et au cap payer sous 20 ans. C'est l'une des dit et c'est pour ça que commence ce travail, c'est pour ça que moi connais la déclaration d'utilité publique qui fait sous terre dans zone Delma. N'a continuer pour une déclaration terre d'utilité publique qui fait dans l'autre zone dans pays là pour que programme ça aller commencer parce que c'est pas un code que l'État va jeter. Parce que les policiers, les professeurs de l'école, ils vont le payer caillou. Ça veut dire, son projet, que nous avons un partenariat public-privé, le projet, ça va déraper tout de suite. Pour un bel appartement commence à construire dans le pays, pour les policiers, les professeurs de l'école, les gens qui travaillent dans le secteur médical, là, qui jouent caillou à bon marché pour le capitaine. Moi, je souhaite la police nationale la bonne fête. Merci en pile pour qu'aucune chaîne d'effort n'a fait chaque jour pour payer la sécurité. Mais croyez en nous, mais comptez sur nous, parce que Haïti c'est pour nous, Haïti c'est pays nous. Nous là, pour nous quitter un pays meilleur pour génération qui va venir, dans mettre sécurité tout bon vrai pour payer. Merci beaucoup. Sur ces mots, mesdames et messieurs, du président de la République, et nous fermons à partir des discours pour passer à une autre phase de la cérémonie. Il s'agit de la remise des plaques. Vous savez que tout au long de l'année, la police a pris la bonne habitude de fêter l'anniversaire des policiers à l'échelle des départements. C'est dans le prolongement de cet exercice qu'elle profite aujourd'hui pour honorer certains de ses membres qui se sont distingués tout au long de l'année par leur travail, leur dévouement, leur dynamisme. Ils sont environ une vingtaine. Mais pour des raisons diverses, il y en a qui ne sont pas présents pour le moment. Nous nous contenterons d'appeler 10 d'entre eux à recevoir une plaque du président de la République, du directeur général et du ministre de la Justice. J'appelle un membre du protocole à venir en s'intercaler entre eux. Voilà. Pour délivrer les plaques en commençant par. Ah, pardon. Oui. Je cite de suite les noms. Il s'agit de Kadhafi Saphir, un agent 4 du groupe d'intervention de la PNH. Il s'agit de Ricardo Antonio Joseph, un agent 4 que l'on va honorer aujourd'hui. Ensuite, on honorera par une plaque, les inspecteurs généraux, Nassar et Ligelit Maxime. Je cite d'abord les noms, après vous les présenter pour recevoir les plaques. Ils sont au nombre de 10. Donc, les employés civils, il y a Alexandra Saint-Ville, Yves Stark. Voilà les noms, mesdames et messieurs, qui seront honorés aujourd'hui. Le commissaire visionnaire Bernard et les figures aussi, au nombre des personnes qui seront honorées. Le commissaire visionnaire Fritz Saint-Fort, le commissaire Carl-Henri Boucher, l'inspecteur visionnaire responsable de la prison civile de Port-Liberté, Bastien Daniel. Voilà au total les gens qui seront honorés. Je demande au personnel du protocole de commencer par le moins gradé, en la personne de Kadhafi Saphir. Mm-hmm.
permettez que je fasse une petite précision après la délivrance du spectacle. Les trois premières plaques sont délivrées par le directeur général, les quatre par le ministre de la Justice, les trois derniers par le président de la République. Désolé. J'appelle Ricardo Atelier-Gézé. J'appelle Alexandra Saint-Ville à se mettre prêt pour venir recevoir sa place. Madame Alexandra Saint-Ville. Elle est une infirmière affectée à la prison civile de la Grande Rivière du Nord. Elle est honorée pour son dynamisme, son esprit d'initiative, son savoir-faire et son engagement à la construction du futur de la Terre. J'appelle le commissaire divisionnaire Philippe Saint-Or, directeur départemental du Nord-Ouest, du Nord-Est, honoré pour son savoir-faire, son dynamisme et son sens inné de la communication. Ministre de la Justice. La plaque sera délivrée par le ministre de la Justice. J'appelle le commissaire divisionnaire Bernard Elie, directeur de l'École nationale de police. Le ministre de la Justice délivrera cette plaque. J'appelle le commissaire Paul-Henri Boucher, responsable de la coordination des directions départementales. Il est honoré pour son enthousiasme, son dévouement, son esprit d'initiative et sa détermination à la cause de la PNH. C'est lui qui est chargé de l'automatisation et de l'information et de l'informatisation de l'institution. J'appelle le directeur de la logistique de la PNH qui sera honoré par le ministre de la Justice, Yves Stark. Il est honoré pour sa disponibilité, son dynamisme, sa fougue et son dévouement à la cause de la PNH. Nous appelons à présent l'inspecteur général Nassar, la femme la plus haut gradée de l'institution policière. Cette plaque sera délivrée par le président de la République.
sera enfin honoré aujourd'hui par le président de la République, l'inspecteur général Jean-Louis Maximé, directeur de cabinet du directeur général. On lui a reconnu son entregent, son esprit d'engagement, son professionnalisme et le souci du travail bien fait. Dix autres personnes qui n'ont pu être présentes à cette cérémonie aujourd'hui seront honorées au sein de l'institution policière. Voilà qui met un terme à cette deuxième partie de la cérémonie. On va tout de suite passer au défilé et je vous invite à vous asseoir.